la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Colossiens 3, verset 15. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Nous avons tous des émotions, et nous en aurons toujours. Je crois que l'un des buts principaux des croyants devrait être d'être émotionnellement stable. Nous devrions rechercher Dieu et apprendre comment gérer nos émotions et ne pas leur permettre de les laisser diriger notre vie. Réfléchissez à ceci. Vous sortez pour acheter une chose particulière dont vous avez besoin. Vous avez aussi pris l'engagement avec Dieu de sortir de vos dettes. Vous avez pris l'engagement de veiller à vos dépenses et de ne pas acheter quoi que ce soit dont vous n'auriez pas besoin. Mais alors que vous faites vos courses, vous découvrez qu'un magasin offre une réduction de 50% sur ce qui est déjà soldé. Que faites-vous ? Suivez-vous vos émotions sans réfléchir ? Ou attendez-vous de vous calmer avant de prendre une décision ? Dieu désire que vous preniez des décisions dans un esprit de paix. Laissez la paix que Dieu donne diriger vos décisions nécessite bien souvent d'attendre que vos propres émotions se soient calmées, puis décider si acheter cette chose est vraiment la bonne chose à faire. Ne laissez pas vos émotions prendre la conduite de votre vie. N'avancez que si vous avez la paix. Prions ensemble. Seigneur, je choisis de laisser ta paix diriger les décisions que je prends. Je ne veux pas prendre de décisions guidées par mes émotions, mais je veux paisiblement suivre la voie que tu as préparée pour moi. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr/newsletter. Soyez bénis et à bientôt.